Aujourd'hui, on refait l'histoire, bienvenue dans ce premier numéro de Retro News. Objet incontournable de nos jours, toujours à la pointe de la technologie et en constante évolution, le smartphone est un élément à part entière dont sa conception remonte au début des années 90. A l'origine, la célèbre société IBM, reconnue dans le monde entier dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques, qui présenta lors du COMDEX de Las Vegas en 1992 ce qui est considéré comme le premier smartphone de l'histoire, l'IBM Simon. A l'image des smartphones modernes, cet appareil présentait déjà des fonctionnalités inédites pour l'époque sur un téléphone, comme le fait de pouvoir gérer un carnet d'adresses, un agenda, une calculatrice, la possibilité de prendre des notes ou encore une horloge mondiale. Bref, il ne servait pas qu'à téléphoner. Pour l'anecdote, ce téléphone introduisait déjà à l'époque un clavier prédictif, alors que l'iPhone ne se verra doté de cette fonction seulement qu'au lancement de la 8ème génération de ses smartphones, avec l'iPhone 6 en septembre 2014. Invraisemblable. Ce smartphone était certes une petite révolution avec l'apparition de l'écran tactile, mais avait tout de même son lot d'inconvénients, notamment sa masse, qui était de l'ordre d'un demi-kilo, loin de la centaine de grammes des smartphones d'aujourd'hui. L'IBM Simon ne sera finalement commercialisé qu'en 1994, pour une somme comprise entre 899 et 1099$. Deux ans plus tard, en 1996, la firme Nokia, qui est sur le point de devenir le leader en la matière de téléphone mobile, présente son nouveau-né, le Communicator 9000. Dans la lignée de son prédécesseur chez IBM, il présente un certain nombre de nouveautés. Outre téléphoner, il fait office de fax, permet d'envoyer ou de recevoir des mails, de gérer ses contacts, des notes, un agenda, un compositeur musical, possède une imagerie sans fil et même un appareil photo numérique. Presque aussi imposant que le Simon, sa masse avoisinait les 400 grammes, la série de Communicator se poursuivra jusqu'en 2011 avec pas moins de 7 modèles différents. Avec le succès grandissant des téléphones Nokia, la volonté de fusionner PDA et téléphone mobile s'accroît. On comptabilise de nombreux modèles de PDAphone dès 2003, avec notamment l'apparition du BlackBerry Quark 7210 et des téléphones sous Windows Mobile. Peu après, le célèbre Palm Pilot et Newton d'Apple n'auront pas les effets escomptés. BlackBerry et Nokia creusent l'écart avec la concurrence. Puis va avoir lieu un rebondissement. Nous sommes le 9 janvier 2007 et se tient la traditionnelle keynote d'Apple. Apple, qui pour rappel n'a jamais joué dans le marché de la téléphonie mobile. Et pourtant, le PDG de la société à la pomme va présenter lors de cette soirée un objet qui va révolutionner le monde de la télécommunication, l'iPhone. Un smartphone petit, fin, ergonomique et design. La suite on la connaît, l'iPhone devient la référence en la matière, notamment grâce à son système d'exploitation iOS, qui est une reprise allégée de macOS et très simple d'utilisation. L'App Store ne débarquera lui qu'au lancement du second modèle, l'iPhone 3G. Malgré tout, durant sa présentation, peu savent que l'iPhone tenu en main par Steve Jobs était truffé de bugs. Mais par miracle, tout ce qu'entreprit Steven avec son appareil ce soir-là fonctionna parfaitement. C'est en 2008 qu'apparaît le principal concurrent d'iOS à ce jour, Android. Le petit bonhomme vert a su se faire un nom et équipe aujourd'hui un bon nombre de nos smartphones ou de nos tablettes. Aujourd'hui, c'est près de 150 marques de constructeurs de smartphones qui sont en activité à travers le monde, comme LG, HTC ou encore Huawei. On comptabilise également une vente globale de 3,8 milliards de smartphones à travers le monde jusqu'en 2015, dont quelques 70 millions rien qu'en France, soit plus que l'ensemble de la population recensée dans tout l'Hexagone. En 2015, Apple et Samsung se partagent à eux seuls près de 36% des parts de marché, un chiffre colossal. Et pour indication, nous passons en moyenne plus de temps devant notre smartphone, environ 3h15 par jour, qu'à se nourrir en moyenne 2 heures par jour. C'est dire à quel point cet appareil a révolutionné le quotidien de la population mondiale.